Oriol? Ei! Què tal? Soc la Rosa. Què tal, Rosa? Com estem? Molt bé. Res, et trucava per això, per saber com estaves i que tinc moltes ganes de venir a veure't. Pues a veure, quan vulgueu, jo, fins a casa, i quan vulgueu baixar, això, aquí hi ha coses per veure. Bueno, no molt per fer, però sí per veure, ja. Per cert, que m'han dit, l'altre dia parlava amb un company que treballa a l'ambaixada espanyola i que diu que estan muntant no sé què, un festival de cine o alguna cosa així. D'aquí un mes, una cosa així, no sé gaire, perquè no explica gaire, tampoc li vaig preguntar molt. Però no sé, podria ser una bona excusa per baixar. Doncs ja pregunto més a veure què va i què... i on serà. Ei, Alba, què tal? Re, mira, que et trucava per dir-te que ja tenim els bitllets. Escolta, per cert, que en Rafa m'ha parlat d'un tal González Morandi, que també vindrà a Mauritània, que tot és un cineasta, i que també necessita el visat, o sigui, aquest tema com el tenim? El que no tinc molt clar és això de les pastilles de la malària. Tu com ho veus? Buah, jo em sembla que passaria, Alba? Diu l'Oriol que ens posem relec tots els dies i xau el mosquit de la malària. Ja n'he comprat 2 pots. Sí? Vale, ja baixo. No es un país árabe, pero tampoco es un país africano, propiamente del subsahariano o del África negra, ¿no? Sino que está un poco en medio, es una zona de frontera. África es un reto, está cargada de futuro, ¿no? Amarillo. No, aunque a veces también es azul si vas a la playa y otra vez es verde por lo islámico que es esto. Ah, I don't know that I draw any attention.
7%. Le tarif a touché le top à 54% et Nicolas. Intentar buscar la millor manera com ells poden menjar encara millor, més, bueno, i veure si realment això de millorar la cooperació, millorar la qualitat de vida de la gent, és cert o és un mite. Aquí les condicions són absolutament estrambòtiques, ho compliquen tot molt més, però a treballar amb l'agricultura i veure que el que faràs ells tenen realment, o la gent té realment esperança amb la teva feina, uf, fa créixer molt. Je ne suis pas spécialiste dans les poissons, c'est pour cela que je suis venu avec ma soeur qui m'accompagne. C'est elle qui connaît tout, elle connaît les poissons, les choux, les légumes, tout ce qui va être, tout ce qu'on va manger, c'est elle qui s'occupe de ça. C'est pour cela qu'elle est venue, elle va nous accompagner. Oui, madame, attends, si on veut ça, on va se la servir. On va s'en assurer. Non, c'est ridicule. Oui, c'est la France première là. Ça fait combien? Oui, madame, ça va, ça y est. Thanks.
wax na wara même France wala ko Amérique wala ko Espagne Allemagne Alors, vous partez quand? On part le jeudi matin. On est quel jour? Mardi. Mardi. Après demain? Ouais. Parce que... Moi, j'avais une autorisation. Je le montre à Abdelhaman. Et en cherchant des partenaires, je suis tombé sur, par hasard, la coopération espagnole. J'ai envoyé des demandes dans toutes les ambassades ici pour faire le festival et à tous les ressortissants caïdiens qui sont en actuel pour faire ce festival. Et l'ambassade d'Espagne, ils sont les premiers à me répondre pour me dire que voilà, on est d'accord avec toi, on va t'aider à faire ce festival. Moi, je suis impressionné parce qu'il y a encore 2 heures, je ne pensais pas qu'on allait aller. Oui. Malgré que je suis le combat, il y a encore 2 heures, je ne pensais pas qu'on allait. Je dis que non, ça va pas, le festival, ça ne va pas être. Je suis allé, je me suis réveillé à 6 heures du matin, je suis allé au marché faire les dernières courses. Et quand je suis venu ici, quand je vois tout le monde, je ne crois pas. Il faut qu'on rattrape Kaidi pour que je crois qu'on est encore venu. C'est incroyable. Je suis très content. Nos llegó el proyecto de Osman justo en un momento muy importante porque acaba de ser el golpe de Estado, bueno, había pasado un mes y estábamos en una situación de dificultad para poder llevar a cabo actividades culturales de cooperación por la situación política. Este tipo de proyecto no requería de una vinculación política porque al ser un particular y bueno, venía a través de la Maison de Cineastes, que es una asociación cultural, podemos decir, independiente, pues podemos volcarnos al 100%. Par Kaidi de Nouakchott, c'est Boutelmit qui est à 150 km
qui est la première capitale, la ville natale du premier président mauritanien. Et après Boutelmit, on va peut-être faire 200 km pour arriver à Bogué, qui est aussi une autre grande ville, qui est à 200 km de Bogué et qui est à 350 km de Nouakchott. Et puis après, de Bogué, on va faire 100 km pour arriver à Kaïdi, là où il y aura le festival. Allez, on y va. Yo lo que creo que es más interesante es los diferentes pueblos que hay en Mauritania. Por un lado los soninke, los pulares, los moros. Esa variedad cultural yo creo que le da mucha riqueza a Mauritania. También es un poco la fuente de los problemas, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que haber algo, ¿no? Pues aquí estamos, tío, a comernos un mutón. Esto no comer. Venga, pues a pedirlo. Si no hay nadie. ¿Ah? Moi, je ne le vois même pas le plus. Il n'y a pas beaucoup de... Ça, 2500 ? Il n'y a pas de viande ici. Ouais, non. Viande ? Il y a un petit peu. Eh, voilà, elle dort viande de moi, tu sais quoi. Viande. Ça, c'est viande. C'est le même prix ici. Ça, même prix. Ça, c'est combien avec... Jigo. 5 000. Tu as entendu? Un comme ça? C'est beaucoup ça? Je sais pas. Et on prend ça? Avec. Ça seulement? Ok, un comme ça. Avec. Ça? Avec. 2500. Tu vois? 2500 et ça? 800. Ok. أين سعيد؟ لا غير. شرح لي ابن الجدر من أن هو من C'est un pays magique parce que les paysages sont formidables, donc je vais le dire, les paysages sont merveilleux et les gens sont aussi merveilleux. Et c'est à la fois inquiétant parce que tant de déserts, tant d'incertitudes, tant de mystères aussi, parce que c'est une culture qui ne se laisse pas découvrir au premier regard, mais en même temps qui est très attachant. Donc ce mélange de mystère et d'attachement rapide, c'est fait que vraiment la Mauritanie c'est quelque chose de particulier, de singulier et que... Je pense que tout le monde doit connaître. Mohamed ? Sayyidi Babakar, Benna Ouweltima, and Debo Khadisa.
to bend in. Caedi, un pueblo a 400 kilómetros al sur de Nouakchott, en la ribera del río Senegal. Estamos en la frontera con Senegal, un pueblo con una historia muy importante en esta zona del mundo, porque fue la capital del imperio de los Pel, que es una de las etnias mayoritarias del país. Y bueno, un pueblo cargado de historia, y es una historia muy bonita que hayan montado un festival de documental aquí. Y Usman, que es un hijo de este pueblo, de la etnia Soninké, de una de las familias más importantes de aquí, y él es un chico que solo tiene 24 años y la verdad que tiene mucha energía, y es muy bonito que me hayan invitado aquí a poder participar y enseñar alguna película que he hecho. Et il m'a dit, écoute, je veux faire un festival de cinéma à Caedi. Et c'était à la fois une surprise très agréable, mais très inquiétante. Mais je me suis tout de suite lancé dans le projet. J'ai dit, écoute, avec un très très grand plaisir, tu sais que je te soutiens toujours. Et bien sûr, je te soutiens aussi pour ce projet. Hombre, yo creo que Caedi es más agradable en cuanto a que es una ciudad pequeña, mientras que Nouakchott es una gran ciudad. Y la verdad que la situación al lado del río pues le da otro ambiente. Et puis c'est ce ciel, le ciel de Caedi est sublime. Le ciel la nuit est magnifique. Ce ciel étoilé est quelque chose de formidable. Et tous ces bruits de la nature qu'on peut entendre, parce que c'est vraiment la nature à l'état pur à Caedi. Il y a un cinéaste sénégalais qui disait que l'école est le cinéma est une école pour les analphabètes. Moi, je dis que je ne veux pas contredire ce qu'il dit. J'ajoute simplement que l'école, le cinéma, c'est une école pour toutes les personnes, qu'on soit analphabète ou pas, parce que en regardant un film, on comprend quelque chose mieux qu'on l'apprend dans un livre, puisque l'image elle est là, le son est là, la musique est là, tout est dans le film, tout est dans le cinéma. C'est ça qui est important. Un enfant peut le comprendre, un vieillard peut le comprendre. C'est ça qui est important dans le cinéma.
Je rappelle un petit peu le programme. Il y a des projections notamment, donc il y en a eu ce matin à la Maison des Jeunes à partir de 11h. Il y en a demain à partir de 10h30 jusqu'à midi 1h, des projections à la Maison des Jeunes. Il y en aura donc encore demain soir vers 20h aussi à l'Alliance et parallèlement dans les quartiers. Donc pour ceux qui sont à Gataga, Touldé, Vandama, mais également Sintiane, Jedida, il y a des projections directement à côté de chez vous. Les gens de Kaïdi, venez montrer ce soir, hein, il y en a encore un festival à plein de Gataga. Ce soir encore à Alliance, à Touldé. Venez montrer ce soir, c'est seulement gratuit. Bon film, venez montrer ce soir, Inch'Allah. C'est seulement gratuit qui n'est pas payant. On n'a pas besoin de rabaisser la baie, on n'a pas besoin de rabaisser la baie. On y va. On y va. On monte, hein. Multiplier véritablement les lieux de rencontre, surprendre les Caïdiens chez eux, avec tout un petit matériel, toute une petite équipe qui s'active et qui va monter en quelques temps un petit cinéma à la porte des gens. Et je pense que c'est ce qui, à mon avis, a très bien fonctionné dans ce festival. C'est ce qui a beaucoup plu, c'est ce qui plaira beaucoup dans l'avenir. Donc, multiplier vraiment les lieux inhabituels, je vais dire. Parce que la Maison des Jeunes, c'est bien, l'Alliance, c'est bien aussi. Il ne faut pas forcément oublier ces lieux, au contraire, c'est des lieux que les gens connaissent. Mais il faut peut-être aussi pousser plus sur les quartiers. On a projeté dans trois quartiers différents. Le premier jour, c'est à Wandama, un quartier nouveau qui vient de naître, mais qui est très populaire puisque c'est un quartier où les gens ont quitté les villages qui sont autour de Kaïdi et qui se sont entassés autour de la ville. C'est un quartier qui est né avec l'effet de l'exode rural et qui se sont pointés à la porte de la ville de Kaïdi. Mais en même temps, c'est un quartier où on trouve toutes les races et toutes les ethnies. De notre appui. Et c'est toi seul qui n'as toujours pas compris cela. Oui, mais il faut faire attention. Mais depuis quand est-ce que danser avec quelqu'un égale le rapport sexuel non protégé? Et on a projeté la première soirée là-bas. C'était extraordinaire. Il y avait toutes les personnes étaient là. Et ce qui était impressionnant, ce qui m'a touché, c'est que au moment où on allait finir la projection et qu'on a annoncé qu'on va projeter le dernier film, les gens ils disaient encore un film. Ça montre que dans leur diversité culturelle, ils ont regardé quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de le voir. Ils ont compris quelque chose. Ils ont aimé tout de suite quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, le cinéma. Le deuxième jour, on a projeté dans un quartier qui s'appelle Touldé, qui est l'un des quartiers le premier quartier peut-être de la ville de Kaïdi, qui est au bord du fleuve. Il paraît que quand les premiers habitants de la ville sont venus ici à Kaïdi, ils ont traversé le fleuve. Quand ils ont quitté le Sénégal, ils ont traversé le fleuve et ils sont installés au bord du fleuve. Et on a projeté là-bas aussi. C'est un quartier à majorité Peul, qui parle la langue Peul. Et on a projeté plus de 15 films, courts-métrages, documentaires et fictions. Et là aussi, les gens ont aimé. Ils étaient très contents. Surtout, c'est souvent des films qui parlent dans leur langue. Et ils étaient très, très contents. Djabili Touré Kendaga, Fantamasi Kendaga, Maïli Touré Kendaga, Balatoure Kendaga. Thank you.
kuseinu jimera kendaga mbayimaro kendaga dabibala kendaga dabiture kendaga pues el cine documental es una ventana diferente y es una herramienta diferente al cine de ficción que permite acercar un poco más la realidad a esos que están delante de la pantalla, ¿no? Faut comprendre les rapports entre les Mauritaniens et le cinéma dans un contexte très spécial. On est un pays de nomades et les nomades en général n'ont pas un rapport avec le lieu. C'est l'esprit de voyage, l'esprit de déplacement. Et ça, c'est presque contradictoire avec le cinéma comme un lieu fixe. Ces premières images qui sont venues en Mauritanie, c'était des images qui n'ont rien à voir avec la réalité des gens. C'était des films soit à cette époque français ou chinois ou indien. Donc les Mauritaniens, dès le début, ils n'avaient pas approprié l'image. Ils n'avaient pas vu le retour de leur culture. Aujourd'hui, le 30 novembre, c'est le dernier jour. Le dernier jour du festival, on est allé projeter dans un quartier qui s'appelle Jedida. Jedida en arabe qui veut dire nouveau, un quartier nouveau, même si le quartier est un peu vieux, bon, ça, le nom reste. Et là aussi, c'est un quartier exemplaire aussi. On a des Sunnikis, on a les Peuls, on a les Arabes, tous mélangés dans le même quartier. Vous avez vu, quand on a projeté, il y avait toutes les races, toutes les ethnies, et ça c'est touchant de voir qu'un film peut réunir ce que même les autorités n'ont pas pu faire. Un film a fait ça, et ça c'est touchant. Ça me donne le courage et la force de refaire encore une seconde édition. En parallèle, ben, on avait choisi, on avait pensé à projeter dans plus de quartiers, mais malheureusement le temps et c'est une première édition, on n'a pas pu faire dans d'autres quartiers, mais on pense encore une fois en faisant la seconde édition qu'on projecterait dans les autres quartiers. Donc merci beaucoup pour ce festival, c'est donc le dernier film que l'on va passer après cette petite présentation et ces remerciements. Donc ça a été 3 jours vraiment super sympas, où je pense qu'il y a eu vraiment une grande réponse à ce festival dans les quartiers, à l'Alliance, mais aussi à la Maison des Jeunes. Et je vais sans plus attendre passer la parole à notre cher Ousmane Diagana, grâce à qui vraiment on a pu passer d'excellents moments. Merci, bravo à Ousmane. Merci. Chaque personne a quelqu'un qu'il aime. Un jeune homme qui joue au football, peut-être il aime Ronaldo, peut-être il aime Zidane. Un chanteur, peut-être il aime Michael Jackson. Et moi, c'est Pedro Almodovar. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'amour comme ça. Qui que tu as pour quelqu'un, tu veux le rassembler, tu veux faire un film comme lui, tu veux être derrière la caméra, le diriger. Dans ma chambre à Nouakchott, ou ici, j'ai la photo de Pedro Almodovar. Et souvent, quand j'écrivais mon premier film et que je n'arrive pas à continuer, j'arrête, je regarde la photo, Pedro Almodovar, et puis je continue. Comme s'il me dictait quelque chose. Pour moi, c'est ça.
Yo creo que la aportación más grande que puede tener es que vean otras cosas y que vean que tienen la opción, ¿no? Que hay gente que se mueve para ponerles eso. Pues eso creo que es una buena... que no es caridad, ¿no? Porque no es dar... Vamos, la cultura no es algo caritativo, sino es algo que se añade. Et je pense qu'un film, s'il arrive, ou un spectacle cinématographique, s'il arrive déjà à rassembler 100 personnes, ou bien même pas 50 personnes, c'est déjà un acquis. Au-delà de ce qu'ils vont voir dans le film ou ce qu'ils vont capter. Plus de ça, si le film arrive à lancer un petit débat à la fin de la projection, c'est déjà une très très bonne chose. À la sortie du spectacle, si quelqu'un pose à l'autre son ami, mais tu penses que est-ce que ce sujet était correct, est-ce que ce regard était correct, c'est déjà quelque chose de très important. D'un color tot marró que són aquestes ciutats, de sobte haver-hi llums de colors, com és el cinema, és sorprenent, és molt, és un contrast. Que a mi m'ha sorprès, la veritat és que m'ha sorprès, i m'ha sorprès que em sorprengués. O sigui, m'he quedat com, ostres, que curiós, no? Vous savez, il y a un verset dans le Coran qui dit « Oh les hommes, nous vous avons créé de hommes et de femmes pour que vous vous entreconnaissiez. » Et je pense que c'est la meilleure solution, en tout cas pour moi, qui est cinéaste aujourd'hui, je pense que faire un festival comme ça, faire rencontrer les gens venus du monde pour découvrir l'histoire de l'autre, son histoire, sa culture, sa religion, c'est une richesse, ça nous permet de nous entreconnaître et ça nous permet d'enrichir notre culture.